Oui, c'est pourquoi ? Je m'appelle Dorst. Je suis un ancien détenu libéré depuis 3 jours et j'ai rendez-vous avec le directeur. Vous avez quoi ? Je viens de vous dire que j'avais rendez-vous avec le directeur. Ah, merci. Ah ben, j'ai failli ne pas vous reconnaître, vous êtes trop le manchique, dites donc. Vous voulez parler de ma garde-robe, c'est le meilleur couturier de la ville qui a taillé ses vêtements en une nuit. Alors, vos relations se sont améliorées depuis votre entrée ici? Oui, c'est cela. Merci. Monsieur Dorst, on peut dire que vous avez l'air en forme. La vie de dehors a l'air de vous réussir. Oui. Elle est très généreuse avec moi, après 15 ans de détention. Vous venez au sujet de vos livres? Ils sont tous là. Aidez-le, s'il vous plaît. J'ai pensé les offrir à votre bibliothèque. Mais je me suis dit que moi-même, j'aurais envie d'y jeter un coup d'œil. Certaines choses se sont concrétisées durant ces années. Lorsque je vois tous ces livres, je me dis que vous avez su faire un très bon choix de lecture. Ça s'est fait avec le temps, tout simplement. J'ai beaucoup évolué. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance pour votre vie future. Je pense qu'il n'y aura aucun problème. Je le souhaite, monsieur le directeur, je le souhaite. Merci. Merci. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Elle est à vous? Oui, c'est la mienne. Stéphane, tu connais un certain Dorst? Dorst? Il a été condamné il y a 15 ans pour meurtre. Oui, un instant, je vous le passe. Oui, j'écoute. Bonjour, monsieur Derrick. Dans mes dossiers, j'ai une petite note me demandant d'informer la police criminelle de la libération de Dorst. Oui, c'est exact, je m'en souviens. À l'époque, nous l'avions demandé parce qu'il s'agissait d'un dossier qui pouvait très bien avoir des suites. Alors dites-moi, s'il vous plaît, quelle est votre impression au sujet de Dorst? C'était un détenu correct, il se tenait tranquille. Il a profité de ses 15 ans de détention pour s'instruire. Il est sorti de chez nous il y a 3 jours. Et aujourd'hui, il est revenu pour récupérer ses livres. Il était habillé par un grand tailleur et il est venu avec sa propre voiture. Une grande voiture. Ah, je vois. C'est gentil à vous de m'avoir fourni tous ces renseignements. Je vous remercie, monsieur le directeur. Dorst a été condamné pour avoir tué un homme. Oui, c'est exact, je m'en souviens. Il a tué cet homme pour l'empêcher de témoigner dans une énorme affaire d'escroquerie dans laquelle il y avait beaucoup d'argent en jeu. 3 jours seulement, Harry. Il ne lui aura fallu que 3 petites journées. Il arrive là-bas vêtu comme un prince, il est au volant de sa propre voiture. Mmh. Il se fait payer ses 15 ans de détention. Du commanditaire au meurtrier. Il avait pris un avocat. Il l'a peut-être encore aujourd'hui. Monsieur Heinrich, inspecteur Derrick pour vous au téléphone. Dites-lui que je le rappelle plus tard. C'était l'inspecteur Derrick. Nous attendions à ce qu'il appelle, mais pas aussi rapidement. Vous ne voulez pas savoir pourquoi il appelle? Mais je le sais déjà, voyons. Il veut sans doute savoir où on peut vous joindre. Pourquoi ne lui dites-vous pas? Parce qu'il voudra également savoir d'où vous tenez l'argent qui vous permet de vous payer des hôtels de luxe et une voiture aussi chère. Ah, bonjour, inspecteur. Ah, bonjour, cher maître. Bonjour, monsieur Klein. Bonjour, maître. Je vous prie de m'excuser de ne pas vous avoir rappelé plus vite, mais je suis débordé de travail. Je sors à l'instant d'une plaidoirie. Vous avez une minute? Oui, bien entendu. Suivez-moi, s'il vous plaît, jusqu'à mon bureau. Mais avec plaisir. Je vous remercie. Je voulais vous parler de l'affaire Dorst. À l'époque, c'est bien vous qui l'avez défendu, n'est-ce pas? Oui. Oui, et il y a quelques jours, Dorst a été libéré de prison. J'ai eu affaire à lui il y a très peu de temps. En effet, je devais lui remettre de l'argent en main propre. Cet argent était dans une enveloppe qu'on avait jetée dans ma boîte aux lettres. Une somme assez importante. Combien y avait-il? Environ 100 000 marks. Quelqu'un m'a téléphoné. Une voix d'homme que je ne connaissais pas. Il m'a donné des consignes, mais il ne m'a pas donné son nom. Lui avez-vous au moins demandé son identité?
Bien sûr, je lui ai demandé qui il était, mais l'homme, qui, je le répète, m'était totalement inconnu, m'a seulement répondu ceci. Remettez tout cet argent à Dorst. Il a été votre client il y a 15 ans et il sera libéré dans quelques jours. Procurez-lui un hôtel et des vêtements corrects et une bonne voiture pour qu'il puisse bouger comme il veut. Ensuite, vous l'aiderez à trouver un logement. Oui, bien sûr, ça vous étonne. Vous, dites-moi, maître, vous avez une idée de ce que tout cela signifie? Oui, bien sûr, je sais ce que cela signifie. Dorst est resté discret au sujet des personnes, ses soi-disant chefs et complices, lorsqu'au procès, les juges ont traité cette affaire d'escroquerie. Aujourd'hui, Dorst est sorti de prison après une peine de 15 ans, il n'a bénéficié d'aucune circonstance atténuante. Alors je pense que ces gens ont eu envie de le remercier d'avoir su garder le silence. Ça veut dire bon retour à la liberté, profites-en et savoure-la. Tu as bien mérité cet argent. Bonjour, je cherche Monsieur Dorst. C'est le monsieur là-bas. J'avoue qu'il m'a fallu quelques secondes pour vous reconnaître, mais à présent je vous reconnais, monsieur l'inspecteur Derrick. Moi aussi, il m'a fallu quelques secondes pour vous reconnaître. Venez à ma table, je viens de terminer mon repas. Nous prendrons un verre ensemble. Vous vous demandez si vous devez accepter mon offre. Dans le fond, je suis toujours un meurtrier à vos yeux. Lors de notre dernière rencontre, vous l'étiez encore, en effet. Je vous prie de m'excuser, mais un meurtrier reste toujours un meurtrier. Alors, montons dans ma chambre. Et si vous êtes venu me voir, c'est que vous avez des questions à me poser. Rien ne nous oblige à rester là. Vous entrez. Quel joli site. Vraiment, vous êtes logé comme un prince. Je ne suis là que pour la semaine, juste le temps pour moi de savourer la différence avec une cellule. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors pourquoi voulez-vous me voir? Vous avez reçu de l'argent. On vous a payé cette chambre d'hôtel, on paye toutes vos dépenses, on vous a offert une voiture. J'ai tout lieu de penser que quelqu'un assure votre avenir. Ça m'en a tout l'air. J'ai beaucoup de difficultés à assumer ma nouvelle situation. Tout ce changement dans ma façon de vivre. J'ai beaucoup de mal à garder mon équilibre, monsieur Derrick. Mais l'argent que vous dépensez actuellement, c'est de l'argent volé, monsieur Dorst. Il ne vous appartient pas. Ma réponse ne vous plaira sans doute pas. Mais à quoi reconnaît-on de l'argent volé? Ne le prenez pas mal, surtout. Je n'ai pas l'intention de me moquer de vous. Je sais ce que vous voulez dire. Vous avez constaté qu'il y avait quelques financiers, de bons payeurs, pour qui mon bien-être passe en priorité. Il leur tient tellement à cœur que cela me rappelle mon enfance. Sésame, ouvre-toi! Ou lorsque le génie exauce les vœux d'Aladin. Comment voulez-vous que je me sente à l'aise dans ma vie actuelle et avec ces gens-là? Mais en ce qui concerne ces gens, cela ne regarde que moi. Vous n'avez pas voulu accepter un verre au restaurant, mais peut-être accepterez-vous ici. Voyez-vous, tous mes vœux vont être exaucés. Alors buvons à mes vœux et à leur accomplissement. Whisky? Whisky. Merci d'accepter. Quel plaisir de vous offrir un verre. Bien qu'en principe, vous êtes plutôt monsieur non. Je lève mon verre à notre rencontre. Dis-moi, dans le dossier, il est écrit quelque part qu'il a subi des examens psychologiques en prison. Oui, que veux-tu savoir? Le nom de celui qu'il a examiné. Oui, en effet, je me souviens très bien de l'affaire Dorst. C'était un dossier très intéressant qui aurait fait un excellent scénario. L'accusé était victime et coupable. Nous avons tout préparé. Vous vous connaissez? Oui, oui. Oui, bien sûr, vous êtes Madame Lissner, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. À l'époque, elle faisait partie de l'équipe. Suivez-moi.
C'est ici que tout a commencé. Oui, je sais, j'ai déjà jeté un coup d'œil sur le dossier. Alors tu dois être au courant pour les caméras. Mais oui. Toi aussi, Harry? Oui. Alors nous allons regarder les images, elles seront beaucoup plus parlantes, vous verrez. S'il vous plaît, Renata. Vous connaissez déjà mon opinion, tous les êtres sont des menteurs. Chacun d'eux forge son image et la présente aux autres comme si elle reflétait sa conscience. Il l'a fait, lui aussi. Maintenant, je vais apparaître à l'image. Vous devriez peut-être d'abord m'expliquer de quoi il est question. Je vous l'ai déjà expliqué avant de commencer la séance. Je cherche à découvrir votre profil psychologique. Il est différent chez chaque coupable, ainsi que chez les victimes. Mais qui va apprendre quelque chose avec ça? C'est vous ou c'est moi qui vais apprendre? Ça n'a aucun sens, voyons, il est déjà trop tard. J'ai trouvé sa réponse excellente. Mais dites-moi, que cherchez-vous au juste? Je cherche à connaître votre moi intérieur. Ça peut m'aider à comprendre. On agit parfois par réflexe, on a aussi des réactions qu'on n'a pas recherchées, qui n'ont pas de fondement dans notre esprit. Que voulez-vous dire par là? Je cherchais vos motivations. Je pensais les trouver en vous demandant quelles étaient vos relations avec votre victime ainsi que vos sentiments à son égard. Avec ma victime! Tout assassin entretient une relation ambiguë avec sa victime, qu'il veuille bien l'admettre ou pas. Et vous aussi, vous avez entretenu cette relation, bien que vous ne vouliez pas le reconnaître. Mais je vais vous dire une chose que j'ai apprise par expérience. Vous êtes avec votre victime. Du moins par la pensée. Et un jour, peut-être, vous finirez par entendre l'écho de cette pensée. À présent, regardez la photo de votre victime. Ma victime? Oh, ça suffit maintenant, arrêtez, je connais cette photo. On me l'a déjà montrée assez souvent. Alors maintenant, dites-moi où vous voulez en venir. Vous n'entendez pas l'écho de la mort? J'ai rien à voir avec cet homme. Tant pis. Et c'est quoi cette photo? Vous ne connaissez pas cet enfant? Et si c'est Annie, sa fille, dois-je rajouter quelque chose? Uniquement si vous avez quelque chose à dire. Eh bien, je ne trouve rien d'autre à vous dire. Merci, Renate. Voilà, ce sera tout. Cela va-t-il vous aider à avancer? C'est très intéressant et c'est surtout très révélateur. Je veux dire, Dorst se sent engagé, mais au fond de lui, il essaie d'échapper à vos questions. Enfin, comment dire, il reste vague. Oui, tu as trouvé le mot juste, Harry. Il était prêt à se laisser aller. Mais il n'a rien laissé transparaître. Qu'en penses-tu, toi? Moi, j'ai remarqué l'arrivée du mot « écho ». Quelle mise en scène étonnante. Si toutes les victimes de ce monde devaient émettre un écho, la planète entière devrait se boucher les oreilles. Quelque chose pourrait peut-être vous intéresser. Quelques années plus tard, Dorst m'a écrit pour me demander s'il pouvait revenir me voir pour visionner le film de notre entretien. Alors on l'a conduit jusqu'à mon cabinet. S'il vous plaît, Renate. Je lui ai demandé, pourquoi voulez-vous revisionner ce film? La raison est sans importance. En ce moment, j'ai plus de temps pour m'occuper de moi. Que peut-on faire d'autre enfermé dans une cellule? Et ensuite, il m'a dit une chose très étonnante. La cellule est de plus en plus petite, et mon moi de plus en plus grand. Alors j'ai répondu, bon, d'accord. Alors regardons à nouveau ce film ensemble. Mais il n'a pas voulu. Je veux le regarder tout seul, ou alors pas du tout. Entendu. Alors je l'ai laissé regarder son film tout seul. J'ai quand même jeté un coup d'œil sans qu'il me remarque. Il était là, il se tenait immobile face à lui-même. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Je crois que l'écho de la mort commençait à se faire entendre. Allô? Monsieur Derrick? À la réception de l'hôtel? Non, non, vous ne me dérangez pas du tout. J'allais justement sortir. Je descends vous rejoindre. Bien. Ah. Oui, je devais me rendre à un rendez-vous, mais vous pouvez peut-être m'accompagner si vous avez un peu de temps. Je dois aller visiter une maison. Vous pourrez peut-être m'aider. Je ne suis pas contre les conseils. Le monde a tellement changé en 15 ans. Je me sens un peu perdu. Je pense que vous comprendrez. Je vous accompagne, bien sûr. Je vous remercie. Vous me faites très plaisir. Nous pourrions peut-être prendre votre voiture pour y aller. J'ai bien la mienne, mais je n'aime pas beaucoup rouler tout seul. Je trouve cette maison
tout à fait charmante. J'ai le droit de me déplacer pour ouvrir et fermer la porte d'entrée. Je peux l'ouvrir et la fermer moi-même. Je ne l'ai pas fait depuis si longtemps. Parfait, monsieur Heinrich, faites le nécessaire. Cette maison me plaît beaucoup, je m'installe ici. Très bien. Le téléphone fonctionne-t-il? Oui, la ligne est raccordée. Mais vous n'avez pas vu le reste de la maison? Ce ne sera pas nécessaire. Bien, d'accord. Je vous en prie, asseyez-vous. Tout ceci vous étonne, n'est-ce pas? Oui. Je suis assis là et je tourne le dos à la fenêtre. Qu'y a-t-il derrière cette fenêtre? Le jardin. Ce serait très facile de me tirer une balle dans la tête à travers cette fenêtre. Oui, vous avez raison, il serait très facile de vous assassiner quand vous serez assis là où vous êtes actuellement. Mais vous avez l'impression qu'on va vous tuer. Non, je parlais de ça comme d'une éventualité. Voilà, tout est plus ou moins réglé, vous pouvez vous installer dans cette maison. Oui, elle me plaît beaucoup. Et spécialement cette place-là. J'avais pensé que vous cherchiez à savoir quel était mon rôle dans cette affaire et vous ne me demandez rien. Vous recherchez les commanditaires, d'après ce que j'ai compris, mais à présent, cela ne me concerne plus. Monsieur Dorst va avoir sa propre boîte aux lettres. Oui, oui. Cet homme a acheté une maison avec l'argent des personnes qui l'ont incité à commettre ce meurtre. Il t'invite à l'accompagner pour visiter la maison. Ton avis est important. Il a besoin de l'avis de l'homme qui l'a jeté en prison. Oui, oui, moi aussi, je trouve ça étrange. J'avoue que ça m'étonne de lui. Il recherche ta présence? Oui. Et as-tu trouvé une raison à ça? Non, j'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Peut-être que... qu'il croit vraiment que quelqu'un va bientôt tenter de l'assassiner. Hein? Par la fenêtre, dans le dos. Non, non, il y a encore une autre chose que je ne comprends pas. Lorsque je l'ai quitté tout à l'heure, il m'a invité à dîner avec lui ce soir. Alors, vous avez vu ce film que le psychologue a tourné? Oval. Oui, c'est exact, docteur Oval. Mais qu'en a-t-il fait déjà? Ça doit remonter à plus de 10 ans, peut-être même plus. C'était au début de ma détention. Ce psychologue s'intéressait beaucoup à ce qui se passait dans ma tête. À l'époque, je ne l'ai vraiment pas compris. Quelques années plus tard, j'ai voulu revoir ce film, mais j'ai eu du mal, je l'ai trouvé horrible. Pourquoi? Dans ce film, il a voulu faire ressortir qui j'étais et ce que j'étais, un criminel. Moi-même, j'avais l'impression de n'être pas encore sorti de l'âge de pierre. Mais j'espère que depuis, vous avez quitté l'âge de pierre. Mais rassurez-vous, je l'ai quitté depuis longtemps. Quand et comment, je vais vous le raconter. Pour le moment, je suis content que vous soyez assis là. Je trouve ce vin absolument merveilleux. Avez-vous le temps d'entrer? Ça me ferait plaisir. Je n'ai aucun souvenir dans cette maison. Elle est sans intérêt. Je me demande pourquoi j'ai choisi de vivre ici. Pourquoi m'avez-vous invité à dîner ce soir? Et pourquoi m'avez-vous demandé de rentrer avec vous dans cette maison? J'aimerais rendre une petite visite demain avec vous. Mais à qui? À quelqu'un que j'ai bien connu autrefois. Ah, c'est vous. Bonjour. Nous avions rendez-vous ce matin? Vous vouliez rendre visite à des amis. Ah. Merci. Je vous en prie, entrez. Vous savez, je ne suis pas très bien. C'est sans doute à cause de mes nuits, mais je vous en prie, asseyez-vous.
Et vous, comment dormez-vous? Moi, ça va. Et pourtant, chaque jour, vous voyez des morts et des assassins. C'est votre quotidien. N'en avez-vous pas assez de ces histoires de meurtres? Avez-vous réussi à vous y habituer? Non. Et pourtant, vous dormez bien. Je vous ai dit que ça allait. Vous avez plus de chance que moi. Bien, moi, je traîne ma propre histoire de meurtre. Et de temps en temps, elle m'empêche de dormir. J'ai beau essayer, je fais de gros efforts, mais les images sont toujours là. Je revois sans cesse cette satanée cellule. Vous savez, j'ai pointé le pistolet sur lui et tout à coup, il s'est mis à crier « Non !» Il criait « Non !» toujours et encore « Non !» Et la nuit, dans ma cellule, ce nom revenait sans cesse. Comme un écho. C'est le mot que le psychologue a utilisé. C'est lui qui me l'a dit. L'écho. Il m'a dit que l'écho revenait un jour ou l'autre. Chaque meurtre a son écho. Je ne sais pas si c'est exact et si on peut en faire une généralité, mais pour moi, c'était vrai. Alors cet écho a rempli ma cellule. Et ce nom est toujours là. Mais maintenant, il s'agit de mon propre nom. Nom à tout ce qui m'arrive aujourd'hui. J'aimerais que vous me compreniez. Vous devriez aller vous reposer. Je reviendrai vous voir plus tard lorsque le nom sera un peu plus faible. Ou bien lorsqu'il aura quitté la maison. Merci. Monsieur Derrick. Attendez une minute, le temps que je me change. Pourrais-je parler à M. Kroll, s'il vous plaît? Est-ce que monsieur vous attend? Non. Donnez-lui simplement mon nom. Je m'appelle Dorst. Un instant, s'il vous plaît. Il y a là un certain monsieur Dorst qui aimerait vous parler. Monsieur Kroll vous attend. Monsieur Dorst, je vous prie de m'excuser, mais si ce monsieur veut bien attendre ici... Oui, oui. Dites-moi, Dorst, auriez-vous perdu la tête? Vous avez le toupet de venir me voir chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne recevez pas votre argent? Si, si, régulièrement. J'ai pensé que vous apprécieriez peut-être que je vienne vous remercier. Alors voilà, c'est fait. Je vous prie de respecter les règles que nous nous sommes fixées. J'avais bien précisé, pas de contact. Je vois que vous n'êtes pas venu seul. Qui est ce monsieur qui vous accompagne? C'est un certain monsieur Derrick, de la police criminelle. Il fait partie de la brigade qui s'est chargée de mon arrestation il y a 15 ans. Et vous le ramenez avec vous? Que se passe-t-il, Dorst? Je lui ai simplement dit que nous étions amis, tous les deux. Et que sait-il? Rien du tout. Alors pourquoi l'avez-vous amené ici? Je lui ai dit que je voulais rendre visite à une vieille connaissance. Alors je l'ai simplement amené chez vous parce qu'il avait le temps. Je vous repose la question, pourquoi êtes-vous venu ici? Uniquement pour voir comment vous allez. Comment je vais? Comment se fait-il que vous vous occupiez de ma santé? Je vais très bien, je me porte à merveille. Que dois-je vous dire? Merci de votre sollicitude, hein? Mon pauvre Dorst, vous êtes vraiment quelqu'un de stupide. Bien. À présent,
Que fait-on? Je crois que je viens d'avoir une idée. John, veuillez prier le monsieur qui accompagne M. Durst de venir nous rejoindre. Oui, et faites également monter ma femme, enfin, si elle a une minute. Oui, merci. Durst, si vous ne jouez pas franc jeu avec moi, vous le paierez de votre vie. Ah! Je viens d'apprendre qui vous étiez. Monsieur Durst m'a tout expliqué. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas m'être souvenu de votre nom. Vous auriez pu... Oui, comment dirais-je... avoir affaire à lui. À une autre époque, j'ai eu affaire à lui, en effet. Au moment de cette affaire de meurtre, n'est-ce pas? Oui, je me souviens vaguement de cette histoire. Ça remonte à quand? Ça fait 15 ans. Un peu avant ce meurtre, j'avais effectivement des contacts avec M. Durst. Quelle est votre profession? Inspecteur de la police criminelle. Ah, alors vous êtes pour ainsi dire avec un ancien client, n'est-ce pas? On dit bien un client? Oui, on peut le dire ainsi. Cela veut-il dire que vous avez retrouvé un ancien client après toutes ces années, par hasard? Oui, tout à fait. C'est un hasard. Ah, alors vous avez eu envie de renouer le contact avec une vieille connaissance. Après avoir purgé sa peine, M. Durst se trouve à nouveau dans la position du citoyen innocent qui a retrouvé ses droits, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis très heureux de vous serrer la main. Pourquoi avez-vous décidé de rendre visite à cet homme? À l'époque, c'est lui qui m'a donné l'arme du crime. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Le pistolet, c'est lui qui vous l'a donné? Ai-je éveillé en vous une quelconque émotion? Que voulez-vous dire? Il s'agit d'une incitation au meurtre, ça n'a jamais été noté dans les dépositions. Allez-vous le noter dans un de vos rapports? Je suis obligé de le faire. Alors je retire tout ce que je viens de vous raconter à l'instant. Tout ceci est faux. J'ai rêvé tout ça. Il n'y a pas un mot de vrai. Oui, c'est exact. Je l'ai rêvé. Et maintenant, je dois rêver avec vous. Oui, je viens de vous y inviter à l'instant. Oui, alors ici, Crowell. Est-ce que M. Lammers est dans le secteur? Il est en réunion. Eh bien, allez le chercher et tout de suite. Oui, je l'attends. Richard, que se passe-t-il? Je suis en pleine réunion. Tu ne vas pas le croire. Durst sort à l'instant de chez moi. Durst? Hey, il s'amuse à nous rendre visite maintenant. Et pourquoi? Il reçoit pourtant son argent. À moins qu'il y ait des problèmes. Non, rassure-toi, il n'y a aucun problème. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Je lui ai demandé pourquoi il était venu. Et que t'a-t-il répondu? Eh bien, qu'il était venu prendre de mes nouvelles. Prendre de tes nouvelles? Oui, non mais attends, ça n'est pas tout. Il était accompagné d'un homme de la police criminelle. Au nom du ciel, mais pourquoi fait-il ça? Durst m'a affirmé que cette personne n'était au courant de rien. On n'a rien à craindre, c'est un copain à lui. Et toi, tu l'as vu? Oui, bien sûr, et ce flic ne m'a pas arrêté. Durst ne va quand même pas tuer la poule aux œufs d'or. Je vous prie de m'excuser, mais je suis encore sous le choc, oui. Je ne suis pas encore sorti de ce mauvais rêve. Il a mis ce pistolet entre mes mains et il m'a dit, tue-le. Écoutez, monsieur Durst, vous ne rêvez pas, je ne rêve pas non plus, c'est entendu. Vous m'avez fait des déclarations, je dois me tenir à ces déclarations. Non, mes déclarations sont celles d'un homme qui a perdu la raison et qui, s'il avait parlé un peu plus tôt, aurait pu éviter une grosse partie de sa peine. Non, je reste sur mes positions. C'est un rêve. Mais je veux mourir. Kroll m'a remis ce pistolet et il m'a dit que... Vous êtes plus qu'à l'assassin. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de quelque part? Un homme, vous arrêtez. Un homme, vous avez un homme, oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal?
Je suis un assassin. Ah, je l'ai tué. Je me demande ce qui se passe dans la tête des gens. On fait quelque chose sans vraiment réaliser ce qu'on a fait. Et puis tout à coup, on se retrouve sur une route qu'on n'a pas choisie. Je vais essayer d'être plus clair. Prenons par exemple un arbre. Comprenez ce que je veux dire. Je parle de l'arbre de la réalité. On tend la main et tout à coup, on réalise ce que l'on vient de faire. On ouvre enfin les yeux et on commence à souffrir. Mon arbre à moi, je le retrouvais chaque nuit au fond de ma cellule. J'ai découvert qui j'étais. J'étais un meurtrier, je le resterai toute ma vie. Bien, alors nous avons rendu visite à l'homme qui vous a mis le pistolet entre les mains et qui vous a dit ensuite la chose suivante, tue-le. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous avez ressenti le besoin de prendre de ses nouvelles. Oui. Il m'a dit qu'il allait bien, mais il m'a répondu ceci. Ça va, je me porte à merveille. Du passé. J'ai failli lancer un avis de recherche. Je suis allé avec Dorst rendre visite à quelqu'un. Ah, tu t'es trouvé un nouvel ami. Nous étions chez l'homme qui, il y a 15 ans, lui a mis le pistolet entre les mains en lui disant la chose suivante. Tue-le, tue-le. C'est une incitation au meurtre. C'est ce que je lui ai dit. Alors ensuite, il a décidé de retirer sa déposition. Et il m'a dit qu'il était permis de rêver. Il m'a invité à entrer dans ce rêve avec lui. C'est ce que j'ai fait. Nous avons rêvé à deux. Appelle-le. Qui ? Dorst ? Où est-ce que ça va mener, ça ? T'en prie. Merci. Oui, allô, qui est-ce ? C'est moi, Derrick. Ah, monsieur Derrick, c'est gentil de m'appeler. Je pensais justement à vous. Vous pensiez à moi ? Oui, je m'en voulais beaucoup. Je m'en voulais d'avoir été aussi désagréable avec vous. J'aimerais faire une autre visite. Et pouvez-vous me dire qui vous voulez rencontrer ? Un certain monsieur Lamers. Puis-je passer vous prendre demain au bureau ? Oui, à demain. Je vous attends au bureau. Mais que se passe-t-il avec lui ? Je crois que d'une certaine façon, il veut me mettre sur la piste pour que je découvre ce qui s'est vraiment passé il y a 15 ans. J'ai eu des renseignements par le directeur du service pénitentiaire de l'époque. Il m'a dit qu'il se souvenait de la scène. C'est d'ailleurs ce jour-là que Dorst a demandé au directeur s'il lui était possible de revoir l'enregistrement que le psychologue avait fait à son cabinet. Ovald. Tu te souviens de ce que nous a dit Ovald ? Durant l'entretien, il a prononcé le mot « écho ». Il a prétendu que chaque fois qu'il y avait un meurtre, plus tard l'assassin attendait un écho. À cette époque, Dorst devait sans doute entendre cet écho à sa façon. Il devait le hanter au beau milieu de la nuit lorsqu'il se retrouvait seul dans sa cellule. Et ça le perturbait. Voilà tout ce que j'ai réussi à retrouver sur M. Kroll et M. Lamers. Ils ont été cités tous les deux lors du procès. Leur responsabilité dans l'affaire n'a jamais été prouvée. Oui ? Bonjour, M. Derrick. Bonjour, M. Dorst. Mais je vous en prie, entrez. C'est le même bureau. Lorsque je suis arrivé, je me suis dit, tu n'as qu'à prendre le chemin que tu connais déjà. Tout est toujours à la même place. Oui, c'est vrai, rien n'a changé.
Il n'y a que nous qui avons changé. On y va tout de suite? Oui, si vous avez le temps. Je vous en prie. Merci. Avez-vous cherché à savoir qui était M. Lamers? Oui, c'est un ami de M. Kroll. C'est un homme d'affaires extraordinaire. Oui, je sais, nous lui avons rendu visite hier. C'est un homme glacial. Il a une machine à calculer à la place du cerveau. Oui, mais en attendant, c'est Kroll qui nous a donné le pistolet pour tuer cet homme. Lamers était là aussi. Monsieur Lamers vous demande de l'attendre. Il sera là dans quelques minutes. Nous avons une salle d'attente. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous servir. Merci. Qu'en pensez-vous? Pourquoi nous fait-il attendre? Je suppose qu'il est en train d'appeler son ami Kroll. Oui, il est chez moi, dans la salle d'attente. Et est-ce qu'il est seul ou est-ce qu'il est accompagné de son ami de la police criminelle? Non, il n'est pas seul. Il est vraiment en train de téléphoner à Kroll. Je trouve que la conversation est un peu longue. Je vous en prie, messieurs. Asseyez-vous. Dorst. Dorst, laissez-moi réfléchir, j'ai un peu de mal à vous situer. Nous nous sommes rencontrés il y a très très longtemps, n'est-ce pas? J'ai du mal à me souvenir. Oui, monsieur Lamers, notre rencontre ne date pas d'hier, elle remonte à 15 ans. Je vous prie de m'excuser de ne pas m'en être souvenu tout de suite. Et vous, monsieur, vous êtes? Je m'appelle Derrick, je suis inspecteur à la police criminelle. Puis-je vous demander quel est le lien qui vous lie à monsieur Dorst? Oui, un instant. Dorst. Il s'agit de cette affaire de meurtre. Oui. À l'époque, j'ai commis un crime. Et c'est M. Derrick qui a dirigé l'enquête. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Puis-je vous demander quel est le rapport avec votre visite? Votre venue ici a-t-elle un lien direct avec ce meurtre? Non, non, l'inspecteur Derrick m'accompagne seulement. Parce que je n'ai plus de personne de confiance autour de moi. Et M. Derrick m'aide à donner un nouveau sens à ma vie. C'est très bien. Votre recherche afin de donner un nouveau sens à votre vie a-t-elle un rapport avec votre visite? Vous faites partie des gens que j'ai connus autrefois, et durant mon incarcération, je me suis très souvent demandé comment vous alliez. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Vous me demandez comment je vais. Je vais très bien, rassurez-vous, je vais très très bien. Je n'ai vraiment pas à me plaindre. Cela ne vous ennuie pas de nous laisser seuls un instant? Non, ça ne m'ennuie pas du tout, je vous en prie, allez-y. Cher ami, je constate que vous avez de très gros problèmes avec vous-même. Vous êtes sorti de prison depuis peu de temps et on ne s'est pas occupé de vous, on vous a donné de l'argent. Mais on vous a laissé seul, ce qui était une grave erreur de notre part. Je reconnais que vous vous trouvez dans une situation de détresse morale que nous n'avons pas prise en considération. Qu'allons-nous faire maintenant? Tout d'abord, une question. Qu'avez-vous raconté à ce policier? Il sait quelque chose? Non. Pourquoi cet homme est-il avec vous? Il vous a accompagné chez Kroll? Cet homme est-il un bon ami à vous? Même si c'est ce qu'il veut vous faire croire, il attend quelque chose de vous. Et ce qu'il veut est très clair. Il veut que cette vieille histoire de meurtre soit à nouveau mise à jour. Elle est oubliée depuis longtemps. Ce soir, Kroll organise une réception à laquelle il n'a convié que peu de personnes, juste quelques vieux amis. Et vous faites partie des vieux amis. Nous vous invitons à cette soirée. Dites que vous acceptez l'invitation. Nous serons ravis de vous recevoir. Alors on peut compter sur vous.
Il m'a invité à une soirée, à une de leurs soirées. Moi, ils n'ont invité que de vieux amis et je fais partie de ces vieux amis. Ils comptent sur ma présence, ça ne vous étonne pas? Oui, je suis très étonné. Tenue de soirée souhaitée et bonne humeur. Ils veulent me présenter leur famille. Les enfants qui étaient étudiants à l'époque sont maintenant devenus des adultes. Vous irez à cette soirée? Non, bien sûr que non. Maintenant, je vais rentrer à la maison et tout noter. Tout ce que j'ai oublié de dire il y a 15 ans. Devrions appeler Dorst. Je suis sûr qu'il est à cette soirée. Ah, monsieur Derrick. Je vous appelle sans raison particulière. Je voulais simplement savoir si vous étiez bien chez vous. Oui, bien sûr. Avez-vous mis votre costume pour vous rendre à cette réception? Oui. Il était sûrement en train de nouer sa cravate. Oui, je m'en doutais. Oui. Bonsoir, monsieur Lamers. Mes deux enfants, monsieur Dorst. Je vous présente un très vieil ami à moi. Soyez très gentil avec lui. Bonsoir. Jeune homme. Je suis enchanté de vous voir ici, monsieur Dorst. Suivez-moi. J'aimerais que vous vous sentiez à l'aise parmi nos amis. Ah, voilà monsieur Kroll. Alors, comment allez-vous, monsieur Dorst? Mais il faut savoir faire la fête pour chasser les vieux fantômes lorsque ces fantômes existent réellement. Au fait, je vous présente Madame Mertens, une de mes collaboratrices. Bonsoir. Madame Mertens part demain, en vacances. Alors, je me suis dit, oui, enfin, ça m'a donné une petite idée. Déjà. Lorsque je lui ai demandé sa destination, elle m'a dit qu'elle partait au soleil. Alors, j'ai eu une idée. Je me suis dit que pourquoi pas emmener quelqu'un qui n'a pas vu le soleil depuis très longtemps. Je lui ai répondu que j'étais prête à emmener toute personne qui aime rire et s'amuser. Vous voyez, Madame Mertens part demain matin. Alors, il ne vous reste plus qu'à rentrer chez vous très vite et faire vos valises. Tu ne vas pas te coucher? Non, je préfère rester ici. Je ne comprends pas. Stéphane, je te connais bien. Je suis sûr que tu nous couvres quelque chose. Je ne fais que penser à ce fameux écho. Les êtres disparaissent, mais ils sont toujours là. Quelque part, ils laissent toujours une empreinte de leur passage. Et cette empreinte de leur existence, c'est peut-être ça que l'on peut appeler un écho. Qu'est-ce que j'en sais? Cet écho augmente sans cesse. Il est toujours plus fort, plus fort, plus fort et encore plus fort. Il devient tellement fort qu'on arrive à ne plus l'entendre. C'est une jolie pensée, mais je crois que nous allons devoir la mettre de côté de façon définitive. Cet écho est en train de s'affaiblir. Il est faible, 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 toujours plus faible. Bientôt, on aura beau tendre l'oreille, on l'entendra plus. On arrivera peut-être à percevoir un léger murmure. Dorst? C'est vous, Dorst? Parlez, je vous écoute. Je sais que vous êtes à l'appareil, Dorst. Derrick, souvenez-vous qu'à l'époque du crime, vous n'avez jamais retrouvé l'arme. Je la possède encore. Et je l'ai dans la main. Dorst, vous ne devez pas faire ça.
écoutez, ne faites pas ça, je vais vous aider. Je pars tout de suite et je viens vous rejoindre. Vous entendez? Dorst. Je n'ai fait que viser une valise vide. Ce sera la dernière fois que je tire. Venez vite, Derrick. Je vous attends. Et apportez votre magnétophone, s'il vous plaît. Je vais tout vous raconter sur les affaires de deux messieurs qui, lorsque je leur ai demandé comment ils allaient, m'ont répondu « Je vais merveilleusement bien ». À l'avenir, je suis sûr qu'ils répondront différemment à cette question. Pas de meurtre cette fois. Il s'est contenté de tirer sur une valise vide. Et maintenant, il veut parler. Et ensuite, lorsqu'on lui demandera comment il va, il répondra sans doute merveilleusement bien.